Afin de protéger l'ours brun en France, différentes mesures ont été prises au fil du temps. 1972, interdiction de la chasse à l'ours. 1979, signature de la Convention de Berne, l'ours est classé espèce protégée en France. 1982, mise en place du premier plan ours par François Mitterrand. 1992, directive habitat, l'ours y est une espèce prioritaire. Malgré cela, Treize ours seront tués entre 1976 et 1995. Tandis qu'il ne reste que cinq ours en 1995 dans les Pyrénées Atlantiques, les Pyrénées Centrales se préparent au premier renforcement de population. C'est à Mel, au printemps 1996, que sont lâchées deux femelles, Melba et Ziva, rejointes l'année suivante par le mâle Pyros. Une opération similaire est organisée en 2006 avec cette fois quatre femelles et un mâle lâchés sur les communes d'Arbas, Burgelais et Bagnères-de-Bigorre. La Slovénie a été choisie comme pays source car les ours y sont nombreux, vivent dans des milieux similaires à ceux des Pyrénées et les activités humaines y sont semblables. Les ours sont capturés par pièges à coller, anesthésiés et subissent un examen vétérinaire approfondi puis sont équipés d'un collier émetteur. Chargés dans le véhicule qui les rapatrie, ils parcourent les 1600 km qui les séparent de leur pays d'adoption. À l'arrivée, ils sont lâchés dans la foulée pour rejoindre leurs compatriotes locaux. Les ours lâchés sont suivis par télémétrie grâce à leur collier émetteur dont les batteries durent un peu plus d'un an. Après cela, ils se fondent dans le reste de la population ursine du massif. C'est l'équipe ours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui est en charge du dossier sur le terrain. Elle pilote un réseau de plus de 200 correspondants agents de l'environnement, forestiers, gardes du parc national, bénévoles associatifs, chasseurs, professionnels de la montagne et particuliers qui parcourent la montagne à la recherche d'indices de présence d'ours. C'est ainsi que sont trouvées empreintes, couches, crottes et poils qui sont recueillis précieusement pour être analysés génétiquement afin d'identifier leur propriétaire. En complément, depuis quelques années, des appareils photo vidéos à déclenchement automatique sont installés sur des lieux de passage clés. C'est en croisant ces méthodes que l'équipe ours parvient à déterminer chaque année une estimation de la population d'ours peuplant le massif des Pyrénées. En 2013, ce sont donc 25 ours qui ont été détectés de la sorte. Les analyses génétiques permettent également de connaître l'arbre généalogique des ours. C'est ainsi qu'a été mis en évidence le fait que le mâle pyros. Est le père de tous les oursons nés sur le massif depuis 1997. Le noyau des Pyrénées-Occidentales ne compte plus que deux mâles et est donc condamné à courte échéance. Ces deux éléments inquiètent grandement les scientifiques sur l'avenir de l'ours dans les Pyrénées. Afin de pérenniser la population, les spécialistes de l'équipe ours recommandaient en 2009 le lâcher de 17 individus. En 2013, une étude Commandité par le ministère de l'Environnement au Muséum national d'histoire naturelle, en arrive aux mêmes conclusions. Depuis 2009, fin du premier plan de restauration de la population d'ours dans les Pyrénées, le ministère de l'Environnement n'a pris aucune action concrète pour respecter ses engagements pris en 1972. La France est désormais le seul pays d'Europe à ne pas mettre en œuvre une politique de restauration de sa population d'ours et s'expose à des sanctions de la part du Conseil d'État européen.